Aujourd'hui, à l'émission Fringe Moi, on reçoit les Cherries et Farsi. Ce sera une émission épaisse et riche. Stéphanie? Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 9e émission de l'épisode Fringe Moi. Je m'appelle Nathalie. Moi, c'est Élise. Elle est où, Cam? Je sais pas. Je pensais que t'étais ici. Puis attends, je vais l'appeler. Hey, Cam! Qu'est-ce que tu fais? Ben oui, on avait Fringe Moi ce matin, là. Ah, t'es à Ottawa! OK. Ben, on va commencer à chanter, puis arrive quand tu peux, OK? C'est bon. But it's a good excuse, but I love to use. Baby, I know what to do. Baby, I will love you. I love you. I love you. Do 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 do. So won't you be my honeybee? Giving me sweet kisses all the time. Be my Valentine. Oh, so won't you be my honeybee? Giving me sweet kisses all the time. Be my Valentine. Oh, be my Valentine. Fringe moi. Bon? Fuck, c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. C'était vraiment exquis. Délicieux. Mais il y en a plus rien. C'est tentant d'aller m'en reprendre, mais il faut pas. Mon plat est vide, puis j'ai l'impression que mon ventre l'est aussi, même si je viens de manger comme un porc. J'ai même liché mon assiette. Stéphanie? C'était comme une mèche de cheveux. On reçoit Repas Chaud avec leur spectacle Farsi. Bonjour. Vous avez un spectacle donc au Mainline. Mm-hmm. Comment vous décririez votre... Ça se dit bien. Décririez votre spectacle en une phrase? En une phrase, en fait, ça raconte l'histoire de trois personnes qui vivent, en fait, qui ont un lien vraiment particulier et hors norme et malsain avec la nourriture. Donc, on découvre un peu plus quel est leur attachement si particulier avec la bouffe? Ça dégénère, mais c'est très drôle. Donc, c'est une comédie sur la bouffe. Ouais. Donc, souvent, la bouffe, on s'en sert surtout pour la survie, mais aussi pour combler les émotions si jamais on est un peu bouleversé. Pour vous, dans le spectacle, quoi d'autre sert la bouffe? À quoi d'autre? En fait, la bouffe aussi, on l'utilise comme accessoire de scène. On pourrait pas dire que c'est du théâtre d'objets, mais on l'utilise énormément pour créer des images assez frappantes. On aime aussi jouer, dans le fond, avec les personnages par rapport à l'excès de la nourriture. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un s'habitue à tout le temps excéder, à prendre plus, à prendre trop? Ou qu'est-ce pas du se tout. Passe? Ou pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on va aller voir votre show. Oui, merci. Bon appétit, tout le monde. Bon appétit. Fringe-moi! Aujourd'hui, au Parc Fringe, on a The Drag Races entre 16h et 18h. Ça, c'est animé par Mado Lamotte. Et à 19h, de 19h à 22h, c'est Fringe Pop au Parc, donc de la musique jusqu'à 22h. Attends, Stéphanie, t'as un petit quelque chose, là? Bon, c'est beaucoup mieux.